force et honneur. Que vos lames ne connaissent jamais l'oubli. Comment va ? Revenez vite ! Gloire au Cindoreille. Dieu. Vous voulez acheter quelque chose ? Ne vous pressez pas. Regardez mes marchandises. Quel est votre temps ? L'Octobre. Salutations. Cherchez la victoire. Morgra. Battez-vous bien.
Loctar, allez avec honneur. Force. Je suis hors de portée. Salutations. Au revoir. Je vous souhaite la victoire. Écoute. Zandalar résistera. Comment puis-je vous aider? Honorez ceux qui nous ont précédés. Ensemble, nous sommes plus forts. Pour l'or, à jamais. Les temps changent et les Andalari devraient suivre le roi. Allez en avenir avec Rokan. Je vous retrouverai là-bas. Il est temps d'en venir avec les trolls de sang. Thank you.
princesse Talanji. Elle nous envoie en Azmir. On va avoir besoin de terreurs dactyles. Surveillez vos arrières. Parce que mes familiers, ils finissent en nourriture pour trolls de sang. Personne ne revient jamais d'Azmir. Accrochez-vous bien, parce que là-bas, il n'y a rien d'autre que des trolls de sang et du vaudou noir. Princesse, ne vaut pas se précipiter. Explorons la zone et établissons un plan avant de nous lancer. Pour protéger mon peuple. Tu es de bon côté. On va établir une base dans les ruines d'à côté. Est arrivé. Faites attention. Il faut arrêter ces trolls de sang. Contre qui on se bat maintenant? Les trolls de sang, ce sont des monstres! Sandalar pour toujours. Sandalar résistera. Je ne laisserai pas ces monstres aux yeux profaner la dépouille des murs. Je vais payer les trolls de sang pour ce sacrilège. Rejoignez-moi quand vous aurez vengé les espaces.
beaucoup à faire. Allez à l'essentiel. Puisse-t-on s'amuser voir vos ennemis. Je vais rester à l'écart jusqu'au moment de frapper. Nous tuerons Athéna ensemble. De tuer le chef de ces monstres. Soyez sur le garde. Nous n'avons aucune idée de ce qui nous attend. Par tous les Loa. Non! Voilà la vraie puissance des trolls de sang. Oh père, pourquoi les avoir ignorés aussi longtemps? Je savais que les trolls de sang représentaient une menace, mais je n'aurais jamais imaginé ça. S'il libère ce monstre, c'est la fin de Zul'Dazar. Ils ont un quoi? Mais vous aviez dit que c'était juste des indigènes. Ce Gorun doit les rendre plus puissants. Trop puissants pour nous. Une nouvelle stratégie. Oui. Je me bats pour ceux qui n'ont pas de protecteur. Il nous faut plus de puissance pour arrêter les trolls de sang. Ce qui nous laisse qu'une option. Les Loa.
Les temps changent et les Andalari devraient suivre le monde. Wom Sandi, le loa de la mort. Il est puissant, mais dangereux. Toujours à marchander ses services. Je ressens son pouvoir. Il est proche, plus que tous les autres loa. Donc, on va faire un marché avec le loa de la mort. Le loa tortue, le loa chauve-souris et le loa grenouille. Tout ça pour arrêter les trolls de sang. C'est le seul moyen de sauver mon peuple, Rokan. Je ferai n'importe quoi pour le mettre en sécurité. Tu es avec moi? Je le suis, princesse. Sandalar, jusqu'au bout. Il y a beaucoup à faire. Allez à l'essentiel. La princesse, vous l'avez entendu. On a un objectif. Affaiblir les trolls de sang et gagner la paix. Salut. Shadra vous surveille. Comme vous voulez. Ce que vous dites, hein? Que Jani vous porte chance. Thank you.
êtes ici pourquoi? Surveillez vos arrières. Vous êtes qui? Zandala pour toujours. Thank you.
Vous êtes qui? Surveillez vos arrières. Thank you.
Je ne peux pas encore utiliser cette arme. Gaffe à ce que vous dites, hein? Que Gianni vous porte chance! Je sens de la colère et du chagrin ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé à cet endroit, mais cela ne s'est pas bien terminé. Vous vous rapprochez. La première présence que j'ai ressentie était proche de nous. Ce monument est ancien, mais il ressemble en tout point au sanctuaire dédié à Boum Samedi, à Zuldazar. Cette offrande est encore fraîche. On dirait que Guan Samedi a un fidèle ici, dans le marais. Une trolesse de sang. On dirait qu'elle a été sacrifiée. Le tueur a laissé une dague. Un simple sort devrait faire la paix. Là, suivez le fantôme. Découvrons où l'adorateur de Boum Samedi s'est rendu. Ouais, celui-ci ne
faire une très belle offrande. J'ai vos salutations. Vous lui voulez quoi à Hanzabu? Faites gaffe. Cette sorcière a un mojo très puissant. Zabou, attendez. Quelque chose vient vers nous. Qui es-tu, Vaudou? Pas un troll de sang. Sinon, les esprits t'auraient déjà massacré. Restez, je vais déjà me ranger au lieu mais du rituel. J'ai une demande urgente pour notre ami. Retrouvez-moi là-bas quand vous pourrez. Je vous préviens, ça risque de faire un peu mal. En fait, beaucoup même. L'étoile de sang, elle commande les guerriers. Alors, de vous m'en ressembler. Croyez-moi, ça va marcher. Voilà, vous avez un esprit troll de sang en vous. Et vous devriez vous transformer quand vous approcherez de leur village. Dès que vous serez assez près de leur camp, vous vous transformerez. Mais attention, le déguisement, il n'est pas parfait. De sang. Essayez de revenir en un seul. Vous parlez et moi je. Comment va-t-on se sortir de là? Méfiez-vous des trolls de sang.
Zandalar connaît des jours sombres. Prenez pas de risques, qu'est-ce que vous faites? Votre déguisement a disparu. Pourquoi le mien est toujours là? Va falloir faire autrement. Essayez de revenir en un seul morceau.
ma chair fraîche ou ma chauve-souris. Moment de vérité. Si le plan marche pas, on est mort. Zandalar connaît des jours sombres. Se sortir de là. Prenez pas de risques. J'ai besoin de vous en vie. Oh, je déteste les trolls de sang. Essayez de revenir en un seul morceau. Zandalar connaît des jours sombres. Grand Irik, accorde-nous ta pitié. Ô Tout-Puissant, épargne-nous. Pitié. Insecte pusillanime, nous vous détruirons en même temps que Zul'Dazar. Dans ce cas, à vous! Qu'est-ce que vous espérez faire au juste? Je suis le seigneur du ciel! Je vais... Qu'est-ce que... Du poison! Que m'avez-vous fait? Ça marche! Continuez comme ça! Continuez! La puissance de mon être coule dans mes veines. Elle me purifiera de votre infection. Assez! Je vais me repaître de vos os brisés. Vous êtes fort, mais nul n'est assez puissant pour affronter un Loa. Vite, Irik arrive. Tant de démérités pour finir en cadavre dans mon repère. Je consumerai le reste quand j'aurai récupéré. Bien. On nous croit morts. Il nous faut... Oh, un nouveau plan. Zandalar connaît des jours sombres. Ah, continuez, ça va aller. Il me faut juste... un peu de temps. Faut vraiment que je fasse plus attention à moi. Je vais me remettre de ta chair et offrir ton âme à mon maître. Ah.
C'est affreux, vous allez le payer. Après ce bazar, c'est la Horde qui tombera. Vous avez osé tuer notre Loa. On va vous traquer, vous torturer, vous saigner à blanc. Pas de retour en arrière. Pas d'espoir pour Zuldazar. Pas d'espoir pour vous. Goon s'éveille. Goon se lève. Ça va alors? Vous êtes de retour? Et en un seul morceau? Et d'autres? J'ai ce qui vous... Vous avez fait quoi? C'est interdit de... Vous pouvez pas tuer les Loa. Le meilleur produit de l'Empire, c'est ici. Alors, les pièces d'abord, ensuite les marchandises. N'hésitez pas à revenir. Les bougies, elles sont en place, et les offrandes aussi. Maintenant, faut qu'on trace le cercle. La vision, laissez-la guider vos pas pour former le cercle du rituel. Mais attention,
Très bien. Maintenant, faites sonner le tambour. Ses offrandes sont pour toi. Cette voix, je la connais. Et j'apprécie ses offrandes. Entrez. Entrez. Avec Boone samedi. Je suis sûre qu'elle est encore quelque part dans le temps. La petite a réussi.
Samada n'est pas encore passé de l'autre côté. Allez, allez, vous retrouvez cette Madaïba et vous lui ramenez. Bientôt, même ce guignol de Wan Sam-Di le servira. Madame a fait rencontrer les prêtres du coin. C'est même eux qui m'ont donné ma robe. Ils étaient gentils. C'est vrai. Mais je la pardonne. Maintenant, on va pouvoir passer l'éternité toutes les deux de l'autre côté. Avec Mada, j'espère qu'on vous reverra.
Enfin de cette ruine qui te sert de cachette. T'as pas l'air d'être bête, Trolless. Pourtant, tu viens m'interrompre dans mon propre temple. C'est ta dernière chance de te soumettre au dieu du sang. Soumets-toi ou meurs. Personne, il dit à Bon Samedi ce qu'il doit faire. Alors, comme ça, tu te crois capable de m'affronter? T'as du cran, mais tu subiras le même sort que tous ceux qui se refusent à Goon. Debout, serviteur. Levez-vous, et cet imbécile de loi, détruisez-le. Vous, réglez son compte à cette sorcière. Les tâteaux qu'elle appelle ses serviteurs, ils vont en contrôler. Merde, accorde-moi. Cette bataille, tu l'as gagnée, mais tu ne pourras pas te cacher ici éternellement. Venir m'attaquer dans mon propre temple. Je rêve. Ils vont me le payer. Me le payer très cher. N'oubliez pas notre marché, hein? Continuez à envoyer des âmes à Bon Samedi. Qu'est-ce qui vous amène dans cet endroit maudit? Oh, cet endroit n'est pas si hostile. Nous sommes en pèlerinage, et j'ai l'impression que vous allez nous compliquer les choses. Princesse, la Horde, elle va bientôt nous envoyer des renforts. Je crois pas qu'on ait le temps de se laisser distraire. Vengeance. Vous dites que vous avez obtenu l'aide de Bon Samedi? Et tu es Eric? Impressionnant. Mais nous avons encore beaucoup à faire. Il ne reste plus que deux lois. Nous échangerons une prochaine fois. Nous devons partir avec ces tortoulants et aller voir Torga, le Loa Tortue. Mes chasseurs des ombres et moi, on part en éclaireur. Je vous confie la princesse. Oh, allons voir Torga. Mais rappelez-vous, ne faites pas trop de bruit. Je ne voudrais pas manquer la moindre de ces histoires.
secours. La volonté du chef de guerre soit faite. Zandalar pour toujours. Puisse les crânes de vos ennemis orner vos habits. Vous voulez mourir ou quoi? Le général a des yeux et des oreilles partout. Vous posez ce genre de questions. Vous voulez qu'on vous envoie dans les sables? Salutations. Moi, je pose pas de questions. Je suis les ordres. Et vous feriez mieux de suivre mon exemple. Je crois que c'est tout ça. Vous là, il paraît que vous arrêtez pas de poser des questions sur le général. Venez avec moi. Mais évitez d'attirer l'attention. Rakera était mon commandant, le meilleur que cette cité ait connu. Elle m'a dit qu'elle n'était pas loin de prouver que le général Jakrazet est un traître. Et puis elle a disparu. Ce qu'elle a découvert là-bas, ça lui a valu un aller simple pour le désert. Les dunes, c'est une condamnation à mort. Je ne laisserai pas Rakera mourir là-bas. Et comme vous pouvez le voir, je suis pas la seule à penser ça. Thank you.
traînons pas. Rakera ne pourra pas résister longtemps dans ces sables. On va devoir traverser ce marais. Tant qu'on vole de façon discrète, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Déjà là, en dessous! C'est quoi ces trucs? Continuons de voler en espérant de... La passe est droit devant. Volez en Razmoth et essayez de voir où se trouve Rakera. Kaja, on devrait ajuster notre cap. On s'approche de l'Empire Sephwrak. Les hommes serpents. Leur nombre semble avoir augmenté. On dirait oui. Dirigeons-nous vers l'ouest et évitons le conflit. Il est peut-être trop tard pour ça. Nous devons nous dépêcher. Le roi. Il a des visiteurs un peu trop curieux. Ça pourrait devenir un problème. Faites votre part, général. Et je ferai de même. Des êtres. Vous mourrez dans ces dunes. Soldats, rompez les rangs. Tous aux abris. Éloignez-vous le plus possible de ces serpents. Les ordres sont de l'exécuter. Ses souffrances seront infinies. Pas aujourd'hui, homme serpent. Oh là, vous êtes en vie? Et votre arme? Vous savez vous en servir? Je n'ai plus de potions, et il y a toute une armée de Sephwrak entre moi et mon chariot. Si combattre ne vous fait pas peur, votre aide me serait bien utile. C'est une bonne journée pour se battre. Elles sont toutes, d'ailleurs. Les vulpérins sont plus forts qu'ils sont l'air. Bon choix. Je peux me débrouiller avec ça. Je suis prête. Allons traquer des Sephwrak. Laissez-moi quelques Sephwrak, d'accord? Regardez ce que les Sephwrak ont fait à notre foyer. Nous éradiquerons les insectes de votre âme. Arrêtez la progression des sables. Nous ont attaqué par surprise. Les Sephwrak massacrent et le ruinent sans aucune pitié. L'avènement de notre empire marquera votre extinction.
Nous exerçons notre domination sur tout et tous. Écoutez maintenant. Avec ça, les séphrates sauront qu'il faut craindre les vulpérins. J'espère que les autres ont pu trouver refuge. Mon peuple, les Ulpérins ne sont ni faibles ni lâches. Ils nous redouteront. Nous exerçons notre domination sur tous les temps. Je suis prête. Allons traquer des séphraques. Les vulpérins sont plus forts qu'ils en ont l'air. Je l'avais laissé. Accrochez-vous! Ça va pas mal secouer. On dirait qu'on a de la compagnie. Occupez-vous d'eux. Je crois qu'on est tiré d'affaire. Vous avez fait du bon boulot. Le refuge devrait se trouver un peu plus loin. Il sera en sécurité. Maintenant.
Elle n'en a peut-être plus pour très longtemps. Ses blessures sont graves. Sans crainte. Je peux vous aider? Vous voulez faire affaire? Prenez soin de vous. Que la volonté du chef de guerre soit faite. Les préparatifs sont-ils terminés? Oui. La contrainte de la Banshee est prête à lever l'ancre à tout moment. Parfait. Voyez avec notre héros pour déterminer où établir notre première tête de pont. Salutations. À vos ordres, chef de guerre. Je compte sur vous. Tenez-moi informé de nous votre... Nous avons constitué un groupe d'élite pour exécuter... Nous ne vous décevrons pas. Faites bon voyage. Il est placé sous la responsabilité de Carona Mior, Nathanos, qui comptera sur votre aide pour orchestrer ses missions.
héros. Suivez-moi. Parlons affaires. Quelle est votre cible ? Hé, hey, monsieur le flétrisseur, j'ai de mauvaises nouvelles. Le nabab Rasbam nous a doublés. C'était de la folie. J'avais jamais vu cette enfer verte se défiler comme ça. Vous ne pouvez pas imaginer. Ressaisissez-vous, prince marchand. Bavasser de la sorte n'est pas digne d'un dirigeant de la Horde. Eh bien, excusez-moi, prince Banshee. Désolé si je suis secoué après avoir failli être tué. Pour un marché dont je ne voulais même pas. Cela déplaira au chef de guerre. Nous comptions sur les méthodes de raffinage de l'Azérite de Rasbam pour combattre l'Alliance. Ce marché nous causait plus d'ennuis qu'il nous rapportait. Il y a un moyen plus rapide d'obtenir ce les qu'on veut, en se débarrassant des intermédiaires. J'ai... En effet. Rendez-vous à Kezan. Récupérez les techniques de raffinage d'Azérite qui nous ont été promises. Et faites souffrir Rasbam pour avoir rompu sa promesse envers la Dame Noire. Comment ça va ? Autrefois. Vous avez quoi en tête ? Puissiez-vous avoir le vent en poupe ? Que puis-je faire pour vous ? Gardez toujours un œil sur l'horizon.
Loué soit l'amiral suprême. Que puis-je faire pour vous? Bien le bonjour. Bonne traversée. Avec moi en tête.
salutations, porte-parole de la haine. Que vos lames restent affûtées. Ne faiblissez pas. Les hommes d'Alari ne me portent guère dans leur...
Montez sur vos gardes. Que le soleil et la lune éclairent vos pas. Ma proie est proche. Oh!
nous combattons les ténèbres. Ensemble, nous sommes gourds. Darkstrak commence. Il en va ainsi. J'entends l'appel de la nature. Pour la Horde, je suis à la fin. Force et honneur. Je ne sais pas comment, mais nos grunts ont réussi à coincer tout un peloton de l'Alliance. Aidez-les à finir le travail. Thank you.
champ de bataille. Ça me rappelle mes exploits en Alterac. J'en ai passé du temps dans cette vallée. Les rapports indiquent la présence d'un puissant... L'officier de l'Alliance appelle les alliés à proximité. Empêchez-le de rallier ses troupes. Coordonner une armée de cette taille n'est pas une tâche facile ou rapide. Et encore moins pour l'Alliance à présent. Aidez-les à finir le travail! Je n'ai pas d'esprit.
Creux pourrait apprendre une ou deux choses avec vous. Les troupes ennemies nous ont contournés et attaquent Crocs de guerre. Revenez et empêchez-les de battre en retraite. Ils disent qu'une cible prioritaire est pas loin. Trouvez-la et éliminez-la. Guerre. Nous avons une position idéale pour lancer notre invasion. Nous allons conquérir toute la vallée!
de l'Alliance pensent nous avoir coincés. Mais s'il y a quelqu'un qui sait se sortir d'une vallée ici, c'est bien moi. Tuez-les tous! Glorieuse victoire. Retournez dans votre trou, bâtard de l'Alliance. La vallée de Chantorage appartient à la Horde. Que la volonté du chef de guerre soit faite. J'ai justement ce qu'il faut. Tournez-vous vers les cieux. Vous
Vous savez comment le vent a changé? Je vous écoute. Zandala, qu'est-ce qui vous amène? C'est vous qui avez l'oreille du trou. Je prie. Thank you.
Que m'apportez-vous? À chaque jour suffit sa peine. Faire affaire. Les sables nous disent. Ceci, assise dans une cage, avec une dizaine d'exilés, en route vers les sables où nous finirons nos jours, aussi peu nombreux soient-ils. L'air chaud et lourd me dit que nous approchons de notre destination. Thank you.
soleil s'est couché derrière les dunes, nous offrant un répit face à la chaleur qui en a plongé plus d'un dans le délire. Lors d'une transe provoquée par le soleil, l'un de nous s'est mis à délirer à propos d'un temple accueillant les exilés au sud. Je doute qu'il passe la nuit. Des assassins à la solde de Jack Razet ont attaqué notre camp en plein milieu de la nuit. Désarmés et encore ensommeillés, nous n'avons pas pu nous défendre. J'ai repoussé les traîtres, mais le mal était fait. Les survivants s'étaient dispersés, chacun condamné à arpenter seul ce milieu impitoyable. Je ne tiendrai plus très longtemps sans boire ni manger. Après avoir tourné en rond toute la journée, j'ai décidé que ma seule solution était de suivre le conseil du démon et de marcher vers le sud à la promesse d'un refuge. Thank you.
faire affaire. Les sables. Mira, prépare le chariot pour aller récupérer des fournitures. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Nos nouveaux alliés peuvent vous accompagner et continuer leurs recherches. Il est temps d'appliquer le plan de Nisha. Et ces frappes ne nous verront pas venir. Zandalar résistera. Je connaissais d'une mieux personne. Hé, sois prudent. Ne pas vous faire tuer. Les anciennes routes trolls ont tendance à malmener le chariot. Je le suis toujours. J'ai l'habitude. Mais vous feriez mieux de vous accrocher. Au cas où. Gardez les yeux bien ouverts. Moi, je me concentre sur la route. Le port de Zemlan est au sud d'ici. Les navires ont cessé d'y faire escale depuis longtemps. Mais c'est notre meilleure chance de trouver ce dont Kiro et Nisha ont besoin contre les Sephrak. Vous vous rendez compte? Ce désert était autrefois le joyau de l'Empire Troll. Toute une jungle luxuriante, engloutie par les dunes. Comment Rakera pourra survivre dans un tel endroit? Je doute qu'elle le puisse. Votre peuple n'est pas adapté. Enfin, ne l'est plus. Je la retrouverai, ou je mourrai en essayant. Mira, la caravane, stop! J'aperçois quelque chose là-devant. C'est le bouclier de Rakera. Où est-elle? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Mon destin, je l'ai mérité. C'est Jack Razet le coupable, pas moi. Je serai plus en vie sans Rakera. Si ce qui s'est dit est vrai, les vous devez enquêter. Mais attention, dangereux. Jack Razet est peut-être encore dans le coin. Vous avez eu tort de vous aventurer dans ces dunes. La princesse, elle peut plus vous sauver maintenant. Vous n'êtes pas mûr que moi. Vous avez mon sang sous les mains. Vite. Être envoyé dans les sables. Vous voulez quoi? Certaines choses peuvent pas être. Je vous écoute. Continuons. Rakera survivra pas longtemps dans ce désert.